Bonsoir, moi c'est Jacqueline Bélisère depuis Studio 57. Bienvenue dans une nouvelle édition Rendez-vous avec notre grand point Cap Dominé, Actualité. Plusieurs interventions qui faites dans les Nations Unies hier mardi 22 octobre 2024 l'ont mentionné aggravation situation insécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv pendant Hezbollah lancé jeudi mercredi à 55 roquettes sous Israël et puis au Mexique, l'armée touye 19 personnes les présenté comme membre cartel Sinaloa dans le cadre d'une opération militaire. Hier mardi 22 octobre 2024, là, c'était une occasion pour plusieurs acteurs de exposer dans les Nations Unies situation compliquée pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis, t'es sûr pour nous, session ça. Hier mardi 22 octobre, la Conseil Sécurité Nations Unies était réuni sous situation Haïti. Dans réunion ça, représentant spécial, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, madame Maria Isabel Salvador, t'est présenté un rapport sous dernier développement dans pays. Et hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces trois derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. À part de chef BINU, Madame Catherine Roussel, qui est directrice exécutive UNICEF, là, t'es lui-même tout bas, Conseil Sécurité, a eu un rapport par vidéoconférence. Plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Toujours dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous Haïti, Mme Rosie Auguste du Sénat, représentant l'organisation Douamoun, a même accentué dans l'intervention sous problème de corruption dans le pays. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. Bon côté parle, représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodriguez, te prend la parole pour exprimer inquiétude li sous situation pays avec tout problème déportation haïtienne dans la République dominicaine. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Et ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez Gil, te répond pour le dire. Le gouvernement de la République dominicaine ne peut accepter l'appel insensé nous exhortant à faire cesser les rapatriements. En effet, ce serait comme déclarer que notre frontière est ouverte. Cela encouragerait une migration irrégulière vers le pays encore plus grande. Jamais nous ne permettrons cela. Bon côté parle Erastis et quitte la locale, représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, lui-même tout le prend la parole pour parler de force multinationale. Le président William Ruto a réaffirmé que le Kenya était prêt à déployer 600 agents de police supplémentaires. Ces agents sont en train de suivre une formation pré-déploiement et ils seront prêts à être déployés dans le cadre de la mission à la mi-novembre 2024. C'est comme ça, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous cap pays d'Haïti a été fini pour VOA Creole. Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério. Une structure politique en Haïti, regroupement politique en tant que force organisée et fort, mandé deux branches exécutives haïtiennes chercher joignion compromis rapide dans le cadre respect à accord 3 avril 2024 là, pour sauver transition démocratique. Là, Renan Toussaint. Dans la date 16 octobre 2024 qui s'est passé là, Conseil présidentiel transition a été écrit au Premier ministre Garry Conille pour suggérer un remaniement dans le cabinet ministériel là pour capable renforcer l'efficacité action gouvernementale et répondre à l'aspiration de la population puisque l'équipe qui l'a connue, d'après ça, a dit, manquait performance à cohésion. Mais le Premier ministre Garry Conille n'a pas montré le favorable à la démarche. Ça, syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui fait partie en tant que force organisée et fort, yon regroupement politique ak organisation dans la société civile haïtienne, plaidé en faveur yon entente entre acteurs concernés pour retirer pays d'Haïti dans l'isolement sociopolitique et économique. Et faut vider celle dans quatre pays pour soulever moun qui sont haïtiens natifs natal pour comprendre c'est pétac dans qu'on est pas pour seulement ne pas pouvoir garder nèg dans jebin n'accepter tout ça qu'a fait payer pas pour nèg seulement et là c'est mon jouet lié donc si ni ta pas la braler j'al braler pita pas pétis payer décapitaliser
10 machines, transporteurs. Le pays a déconstruit l'école fermée. Et je dis, ouais, tout n'est net dans la machine officielle. Bon, quand tu parles, ancien député Antoine Roudon Bien-Aimé plaidait en faveur respect accord 3 avril 2024 là, avec mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre problème qui existait entre conseil présidentiel transition hein, à gouvernement. Gouvernement d'union nationale, ça a gagné pour planifier le référendum dans tout le monde et organiser les bonnes élections dans le pays. C'est ça. En tant que force organisée, mandé, et nous dit tout le monde, on fait dernier effort ça pour nous retirer le pays dans sa lila. Pendant ce temps, situation sécuritaire a dégradé chaque jour, bon Dieu m'été, côté citoyen, pas qu'à vaquer librement à occupation, yo, notamment dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, où est Toussaint, pour VO à Créole, Port-au-Prince. Nous, toujours dans le pays d'Haïti, ministre Santé publique et population, Georges Fils-Brignol, visite jeudi mercredi à Centre Santé Eliazar Germain dans Pétionville. Après visite ça, il a annoncé disposition pour améliorer qualité service patient à recevoir. Yves Manuel. Ministre Santé publique et population, Georges Fils-Brignol, visite l'hôpital Eliazar Germain qui trouvait dans Pétionville. Visite sa fête dans objectif pour capable ouais qui gens l'hôpital là a fonctionné. Moi passer là jodi pour me garder comment service ça est et surtout moi recevoir des doléances côté que c'est pas trop ça que nous t'avons voulu faire. Donc nous là pour nous aider à améliorer qualité service pour nous joindre et aider directeur pour renforcer capacité l'hôpital là d'une manière générale. Centre santé ça fait face à un pile difficulté selon le directeur médical là docteur Darius Fracito qui dit l'espérer changement après visite ministre là. Nous avons l'hôpital qui pas fait pour recevoir un pile malade, c'est une structure qui là, c'est une maison habitable qu'il était, il est transformé en centre santé mais avec dynamisme que nous mettons nous rendre fonctionnel la paix fonction l'hôpital. Ça a créé un pile de difficultés. Les gens sont venus, ils sont en contre trop long. L'archive là, il y a un problème. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de espace pour nous mettre. Mais avec l'instruction du ministre, nous prenons le travail pour améliorer la qualité du service que nous avons pour nous augmenter non seulement la quantité de soins que nous avons, mais la qualité de soins que nous avons à l'hôpital. Là. L'hôpital ça a desservi plusieurs milliers de citoyens dans Pétionville et zone qui avoisinait l'eau. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Ou sous VOA Creole, on va suivre rendez-vous plus développement actualité à dans un petit moment. Oui, actualité à la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre de Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv, alors que Hezbollah lui-même l'a lancé jeudi mercredi 55 roquettes sur Israël. Pendant ce temps, quelques leaders dans le sommet BRICS là profité mandé yo cesser le feu dans la guerre. Gentil Augustin Junior. Moi vraiment crois l'homme chinois bail une opportunité important pour retourner otage la caillou fini avec la guerre et puis assurer sécurité Israël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit reporter yo dans Tel Aviv avant li traverser dans Arabie Saoudite l'île pour finir avec le conflit dans Gaza. Alors que, même famille otage américain qui a origine israélienne manifesté devant l'hôtel secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Tel Aviv pour exiger dirigeants yo joignent un accord pour libérer otage yo. Ronen Netra, papa otage Omer Netra, déclaré. Nous t'es toujours attendé si noir tes principales barrières pour te joignent un accord. Mais kounye ya, si noir mouri, nous espérons que pression États-Unis pral lou sou do pati yo, kit se kata, Égypte ou soit Israël et puis sans doute Hamas pour finaliser akowa et puis retourner otage la kayo. Yon l'autre côté, président iranien Massoud Pezeshkian mande membres BRICS pour aider yo mettre fin dans la guerre dans Gaza ak nan Liban. Mande tout membres BRICS influyant yo pour yo servir ak toute capacité collective et individuelle yo genyen pour finir ak la guerre dans Gaza ak nan Liban et puis tout attaquer réfugiés yo et baisser tension dans région. L'armée Israël l'a déclaré, Liban lancé 55 roquettes dans nord Israël
Ariel jodi mercredi ya. Mais yo te rive bloqué quelque là dans yo. Yoav Galen, ministre défense Israël là, déclaré pendant visite li nan yon base aérien la meya. Après yon attaque en Iran, yo pral tout comprendre en Israël ak l'autre côté yo ki sa processus préparation ou yo gen la dan. Combattant Hezbollah yo di yo lancé yon ban roket nan base Glilo ki se unité intelligence militaire Israël là nan yon quartier nan Tel Aviv. Nan yon déclaration, groupe la di se yon base li te visé plusieurs fois pendant dernier jou sa yo. Li di tout roket sa yo se yon réponse ak attaque et puis massacre ennemi sioniste yo te fait. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. États-Unis élection produit cap vendre pendant campagne électorale là non seulement a fait promotion pour candidat yo mais il a sensibilisé supporter yo pour sauti à voter. Jean-Robert Philippe c'est un aspect spécial dans campagne là ou même ou gain occasion ouais qui gens de vendeur yon démocrate à qui yon républicain a demandé unité parmi électeurs. Effectivement, j'en dis à la clé, c'est une idée que le journaliste avoir d'Amérique gardé pour voir qui gens que ça va aider. Tension qui existe entre électeurs, mais le fait que machin, yo, y a vingt produits, deux candidats, yo, et y a pas aller loin, une autre, y a tout l'hérité, côte à côte, eh bien, y a gardé qui en sac à calmer, température parmi les électeurs. There's no reason that we can't coexist here in the same location. Les Sandra Robol, yon démocrate nan Californie, te wè yon cabine k'ap vann marchandise Donald Trump. Li te frustré pou tèt démocrate yo pa gen asse visibilité nan communauté a. C'est comme ça qu'il décide d'ouvrir une cabine pour le vendre marchandise Kamala Harris. Jusqu'à dernièrement là, nous n'avons pas fait promotion pour croyances politiques. Non. C'était un bagage nous qui avons secret dans Ken. Nous vivons avec elle, avec respect entre nous. Tout bagage a changé, l'être entré sous scène. Non. C'était un coup bataille dans la Fédération mondiale là, ou bien une équipe sportive et nous n'avons pas capable d'être invisible encore. Arrondissement Orange, dans Californie, c'est une enclave républicaine solide dans l'État qui est démocrate. Elle vit à Kedi Pantig, par aimer cabine Kamala Harris là, Bogoté. Elle vit Pantig, déclaré. Nous parlons. Je l'ai dit, nous parlons de cabine ensemble. Non. Pour quelle raison? Et dit Pantig répond, arrondissement Orange là, doit un arrondissement républicain seulement. Côte la côte là, c'est à deux de l'autre côté. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no Stephen Lawrence, républicain en Californie, a géré cabine qui a vendu marchandises pour Trump. Il a déclaré, dans le commencement, tu as gagné une tension avec Obi, mais finalement, nous sommes d'accord pour partager l'espace là. Juste parce que moi, c'est un républicain et lui-même, c'est un démocrate, pas de raison pour nous pas capable de collaborer ici là, dans le même espace là. Nous avons un sentiment différent, opinion différente sur Bagayo. Certainement, tout le monde caché émotion. Yo. Non pas vle raïssement mélangé avec vision politique de parti. Yo. Susan Johnson, une démocrate, déclaré, c'est une bonne idée pour deux cabines côte à côte. Moi, quoi, il est vraiment intelligent. Moi, quoi, si moun capable chita pour parler ensemble, yo capable découvrir un pile bagay en commun. Zaid Abaibe, un républicain, déclaré installation de cabines cap vendre marchandises politiques différents, montrer américain capable entendre sans yo pas d'accord. Robbie ak Lawrence déclaré yo ses amis depuis mois passé yo, yo n'a voyagé sous l'autre là pour assurer que yo en sécurité. Yo écrit dans pancarte là nous tout demander souple, gentil yo n'a l'autre aider baisser température clientèle politique là. Alors, Jacqueline, donc, je dis mercredi, activité candidat, yo, gain d'abord candidat parti démocrate, la Kamala Harris, lui-même, il trouvé dans Pennsylvanie, côté la participé non rencontre en bâtonnel, et puis, gain candidat parti républicain, ancien président Donald Trump, lui-même, il trouvé dans Georgie, mais entre temps, il n'a pas empêché qu'il continue à critiquer et à voter à son candidat parti démocrate, la Kamala Harris, Jacqueline. Merci, c'était Jean-Robert Philippe pour page électorale alors que c'était moins que deux semaines pour l'élection ça qui pourrait le dérouler 5 novembre Cap Vinila. Et puis l'autre point dans l'actualité,
Eh ben dans pays Mexique la même mené une opération dans Culiacán après ministre défense là t'est annoncé li touye 19 moun li dit qui c'est membre cartel drogue Sinaloa. Fred Gaimit. Ministère défense mexicain a annoncé hier mardi 22 octobre 2024 là l'armée pays a une opération touye 19 moun qui ont identifié comme membre cartel Sinaloa qui est trafiquant drogue Joaquim El Chapo Guzman c'est confondatel. Dans le communiqué qui était publié, le ministère a déclaré, après attaque 30 individus te fait sous personnel militaire, tout près Culiacán, capitale état mexicain dans Sinaloa, il y a 19 là-dedans mouri. Note pour la presse là continue pour le dire, l'armée a été agi en accord avec la loi et respect total pour droit monde. Culiacán a zone qui entoure lieu enregistré un paquet de actes violents depuis après arrestation Ismael El Mayo Zambada, cofondateur cartel Sinaloa à tout. 25 juillet sot passé à qui actuellement en prison aux États-Unis. Arrestation trafic de drogue ça té provoqué yon la guerre entre famille et petit garçon trafiquant drogue Joaquim El Chapo Guzman. D'après ministère défense là, moun ki té attaqué l'armée mexicain qui mouri lundi a c'est membre yon commando qui lié à yon ti point dans groupe El Mayo. Pendant conflit lundi a, l'armée mexicain a arrêté tout El Max qui soi-disant leader commando a. D'après même sous cela, il était activement participé dans violence qui s'est passée dans Culiacán. Il était remettre monsieur Blaibi au juge principal dans l'état Sinaloa après arrestation li. D'après autorité yo, bataille en deux groupes cartel Sinaloa yo déjà la cause la mort 200 moun dans l'état depuis commencement mois septembre là pour rivé jodi a. Merci Fred Kaimit, l'autre point d'actualité à Corée du Nord voyez plusieurs milliers de soldats dans la Russie. Well, our analysts they continue to look at this. Now we are seeing evidence that secrétaire de défense États-Unis Lord Austin dit là présence soldats sa yo représentait un problème très très grave qui a des répercussions non seulement en Europe mais tout dans région Indo-Pacifique là. Mais ça veut dire tout Vladimir Poutine lui-même li en difficulté et contrairement à ça moun pensé. Déclaration secrétaire de défense et États-Unis Lord Austin vini après États-Unis et l'OTAN confirmé que gen bon jan preuve qui montrait que gen troupes nord-coréens qui trouvaient au dans pays la Russie pour prendre entraînement et yo a risque pour escalade guerre Ukraine. Donc déclaration et Lloyd Austin ou sous VOA créole n'a pas mettre depuis Washington DC mais nous couvrir actualité à dans le monde entier à diverses plateformes était branché. Plus passé 600 représentants organisations société civile là qui sorti dans grand sud té brassé l'idée dans un symposium qui té duré 3 jours. Reportage Jean-Ernst Eliska. On chita parlé pour ensemble nous joindre bon gens et stratégie pour rendre grand sud là autonome tout bon. C'est sous thème ça citoyens diverses organisations société civile là qui té sorti dans 4 départements grand sud là té chita brassé l'idée dans 3 journées symposium qui était déroulé dans ville Okaï. Président comité symposium nan Charles Murat a bay une idée sur participants yo à point qui était discuté pendant rencontre là. Moi-même, moi pas seulement quantifié en termes de 1, 2, 3, 4, moi regarder en termes de qualité. Et ensemble de monde qui là, qui font là-dedans, c'est des monde qui représentent des organisations communautaires de base. Donc là-dedans, on a des représentants d'organisations femmes, organisations paysans, organisations pêcheurs, donc un collectif pêcheur qui là. En termes de présentation, et ensemble d'intervenants là, on a avant dernier intervenant qui a fait une intervention moi. Tout de suite après, nous allons rentrer dans la table thématique. Comme si nous, que le véritable travail là, c'est la table thématique qui a été faite. Donc c'est vrai qu'on a une représentativité, qu'on a un ensemble de monde qui fait des placements, qui vient, et on vient, on attendait. Mais le plus gros travail là, c'est Chita autour des tableaux. Nous avons 5 gros tables thématiques. C'est Chita autour des tableaux, côté que chaque monde a 10 ans. Vice-président Chambre Commerce Sud-Est, Amil Roland Zeni, te fait quelques propositions sur divers problèmes département sud-est là à faire face. Je vous présenter plan stratégique de relance économique sud-est pour que nous montrer les forces et les faiblesses du sud-est et mais qui j'ai un fonds de développement mais qui méthode que vous devez utiliser et mais qui façon que nous réussir développement. C'est pas au monde qui camper dans côté dans notre pays et puis qui était vous en paquet ONG là
vin fè sa yo vle non takou mon poula et yo vin yo fè sa yo vle jen yo vle non peyi di non nan sud-est nou pa d'accord sa anvan il faut que le grand sud il y a 6 millions d'habitants là-dedans mette tête yo ensemble campé pour nous dire que nous konn sa nou vle nous konn ki sa nou dwe fè et nous compte qui j'a développe en fait. Comité symposium nan a gagné pour dresser un cahier de doléances pour voyer par le pouvoir central là sur divers qualités problèmes et propositions qui étaient faites pendant symposium Grand Sud là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okay. Nous voulons remercier tout le monde qui est branché sous VOA Créole. N'a pas rappelé que nous avons un programme radio qui est les sacs passés Haïti qui passait chaque jour, soit lundi pour arriver vendredi. Restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment. Les pirates prennent contrôle appareil électronique yon utilisateur, cadenasse données électroniques li et mandé payer pour retourner joindre accès à données sa yo, sa rele ransomware. On a regardé ça plus près avec Fred Gaimit. Ransomware c'est un mode logiciel malveillant criminel sur internet qui est utilisé pour forcer moun ba yo l'argent. C'est tant que yo fò ou les mains. Criminels ont utilisé ransomware pour empêcher utilisateurs de gagner accès à données qui est stockées dans l'ordinateur. Criminels ont utilisé un modèle cryptage pour cadenasser données ça yo. Yo mette un moyen pour utilisateurs à payer rançon, yon façon pour capable décadenasser données ça yo qui ont été bloquées. Rançon ça yo souvent payé avec Bitcoin. Raison qui fait utiliser modèle l'agent ça, c'est parce qu'il est impossible pour retracer l'identité criminelle qui reçoit l'agent ça. Dans le mois de février de l'année 2016, yon l'hôpital dans Los Angeles te paye yon pirate qui te prend contrôle l'ordinateur pour plus passer yon semaine $17,000 dans Bitcoin. En général, moyen qui plus facile pour pirate utiliser logiciel ransomware, c'est l'utilisateur à cliquer sur yon lien que l'on recevoit dans courrier électronique li, ou bien pendant la naviguer sur internet là. Pour protéger tête ou contre ransomware, les recommandé pour faire en pile attention à client que vous recevez dans email ou éviter naviguer sur site qui gain doute sur yon. Qui pas sécurisé. Pas jamais bas information personnelle ou financière sur un site que vous avez doute sur sécurité. Servi avec firewall et puis mettez antivirus ou à jour. Choisis mot de passe qui est long et puis plus difficile pour monde deviner. Fais en combinaison lettres, chiffres et symboles. Merci Fred Kaimit. Donc rubrique technologie a passé chaque mercredi à le ça sous VOA Créole. Mes amis, attendez ça. Norvège a paré pour le tourner premier pays dans le monde qui pral vendre seulement machines électriques en 2025. 10 ans avant objectif Union Européenne. Transition dans direction machine électronique a joué un rôle important dans off Norvège pour respecter engagement climatique li yo. Qui gagne la donne réduction à 55% sa rele gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à niveau yo en 1990. Mais pour un pile spécialiste, ça pas suffit. Gen l'autre bagaille pour yo faire encore ni Norvège ni en pile l'autre pays. Mais faut que nous dit machine électrique yo pi bon pour climat dans pays la Norvège. Donc cela veut dire que tant coup en pile l'autre pays. Eh bien, la Norvège lui-même l'a essayé mettre au pas pour le capable respecter l'engagement que le prend par rapport à les problèmes climatiques, gaz à effet de serre. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'était un plaisir pour nous te servir. Et gros point cap dominé actualité, c'est plusieurs acteurs qui te prennent la parole hier dans les Nations Unies pour être capable de dire qui est en situation compliquée dans le pays d'Haïti. Donc nous voulons dire merci pour attention, merci pour fidélité et nous disons restez branchés sous VOA Créole parce que ça toujours fait nous plaisir. Moi c'est Jacques Belizère avec un pile plaisir cap casser rendez-vous avec nous demain pour un autre rendez-vous info côté que n'a pour nous actualité dans le pays d'Haïti et aux États-Unis surtout avec campagne électorale là ici. Moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir. Fait haïtien. Depuis que Luis Abinadel
l'été annoncé que l'a déporté compatriotes haïtiens nous et 10 000 haïtiens chaque semaine. N'oubliez ça. Eh bien, dès que Luis Abinadel t'a annoncé que nouvelle ça et dès que vous commencez déporter haïtiens la caillou arrivé jeudi, l'état dominicain déjà déporté 28 000 haïtiens en Haïti. Et mes amis, hein? Dès que l'état dominicain Luis Abinadel l'été annoncé que li pral déporter haïtiens chaque semaine qui irrégulier la caillou. Et il te dit que l'a déporté au nombre de 10 000 chaque semaine. Et bien, dès que le commence à arriver jeudi là, selon toute dernière information, l'État a déjà déporté, et bien, une somme de 28 000 haïtiens. Alors, ce que je dis, hein, nous sentons que, il y a une tendance pour oublier ça. Il y a une tendance, ok, pour oublier la question ça. Pendant ces temps, Jacques Mdapten des amis Sassolino, hein? Monsieur qui dit que Lila Kaeli, Badiab Kouride elle, l'État dit que la font rive, c'est le ming, l'État Dominique Captouye de Abkouride elle, l'État dit que la traverse frontière, la prend rage pour rive États-Unis, je dis en là, que un gros malais pendier qui abtent haïtien, cap immigré aux États-Unis, avec rivé et si toutefois on me dit bien si toutefois que Donald Trump monsieur est arrivé président encore pays États-Unis a veut dire jeudi hein n'a essayé comprendre jeudi hein n'a regardé ensemble que situation qui existait là problème qui gagne là yo. Et comment ensemble nous pral essayer résoudre li comment ensemble nous pral essayer ouais chacun capable gérer et situation ça et je dis hein m'le que chaque monde comprenne je dis hein moi même j'aime te dire déjà est-ce que peuple haïtien hein? Est-ce que diaspora haïtien, est-ce qu'il pas bouqué avec question insécurité? Est-ce qu'il pas bouqué tant de bagaille ça? Est-ce qu'il pas bouqué tant de toute la cette journée, bandi attaquer mon akaye, bandi attaquer mon solino, bandi fait ci, bandi fait ça, bandi comme si est-ce qu'il pas bouqué avec dossier ça? M'a posé question. Est-ce que même autorité yo, yo même tout qui nan gouvernement qui nan nan KPT est-ce que même est-ce que yo pas dit tête yo que situation ça yo est-ce que m'a konnen mais qui ça dit tête yo pendant ces temps Haïti a tourné un enfer pour haïtien. Yeah. Haïti veut tourner un enfer pour haïtien. OK? Haïti a tourné un enfer pour haïtien. Alors que Lola Kayou c'est picot pi mon côté que ou t'a dû capable à l'aise. C'est d'accord ça. Léo la caillou li c'est pi bon côté que ou t'a trouvé senti ou à l'aise. Si vous comprenez. C'est pi bon côté ou t'a trouvé senti ou à l'aise, mais malheureusement et pas ça qu'a fait là. Malheureusement et pas ça qu'a fait là dans moment. OK? Et pas ça qu'a fait dans moment. OK? Puis a tourné un désert.
Pays tourner où alors m'a dit pays mais pays tourner où l'enfer pour haïtien. Yeah. Pays tourner où l'enfer pour haïtien. Alors ce que il pas traduit ça. Il pas traduit ça. Pays a pas traduit tourner où l'enfer pour haïtien. Non. Il pas traduit tourner où l'enfer pour haïtien. Mais c'est réalité ça n'a vivre la journée aujourd'hui. Yeah. C'est li n'a vivre journée aujourd'hui. Il n'a vivre là. Alors que aujourd'hui est-ce qu'une capable d'accord? Yeah. Est-ce qu'une capable accepter situation ça? Yeah. Est-ce qu'une capable accepter? Est-ce qu'une capable d'accord? Réalité ça n'a vu jeune aujourd'hui. Hein. Bien que m'tendez que Leslie Voltaire monsieur Mandé, eh bien monsieur Mandé là. OK. Monsieur Mandé là. Yeah. Monsieur Mandé pour que Monsieur Mandé pour préactuel président capitaine Alexis Voltaire Monsieur Mandé pour ta gagner ça ne relé pour que Conseil sécurité Nations Unies pour ta transformer mission multinationale soutien sécurité à haïtien en une mission onusienne une mission mais une mission de maintien la paix on a dit une mission Nations Unies bon mon cas dit c'est une tentative qui va échouer. Yeah. Moi qui a dit son tentative qui pourrait échouer parce que Edgar Leblanc fils t'a demandé déjà il t'a demandé et une mission d'opération de la paix a dit une mission onusienne. OK. Et nous t'ai ouais que Conseil sécurité des Nations Unies a été réuni. Conseil sécurité des Nations Unies a été réuni. La Chine, OK. La Chine et la Russie, ils ont tous les deux été votés contre ça. Ils ont dit non. Parce que le peuple haïtien a des trois mauvais souvenirs de MINUSTA qui fait que 13 l'année en pays. Et voilà que MINUSTA allait et mais ça a quitté pour nous. Voilà que MINUSTA allait et mais ça MINUSTA quitté pour nous. Li kite un pays avec choléra. Li kite un pays avec jeudi en pile nan mesdames nou yo avec timoun sou bra yo. Yo manje bet paysan yo. En pile haïtien mouri nan maladie choléra. Yi ou tande ke yo te kon viole ti garçon nou yo, ti mesdames nou yo. Ça veut dire ça yo kite des séquelles. OK? Ça qui des séquelles nan tête et nan l'esprit peuple haïtien. Yeah. Ça qui des séquelles nan l'esprit peuple haïtien. Et je dis faut comprendre ça. Je dis faut regarder ça comme réalité. Hein? Je dis faut regarder ça comme réalité. Je dis à fond dit nous que pays a connait une situation difficile. Mais qu'on y a ça l'a connait ça l'a vivre là. On dit nous. OK. On dit nous. An zite nou
Est-ce que nous capable sortir la donne? Yeah. Dit nous est-ce que nous capable sortir la donne? Moi m'a dit bon oui. Depuis que volontaire. Il m'a dit oui, depuis que volontaire. Excusez. Depuis que volontaire nous capable sortir la donne. Depuis que volontaire nous capable sortir la donne. Mais je dis, hein, moi je voulais dire ça. En nous gonfler veine nous. En nous gonfler poignette nous. Yeah. En nous gonfler veine nous. En nous gonfler poignette nous. Pour que nous voyons comment et qui Jean pour nous sortir dans cette année-là. Et je dis à m'a dit que avec Zami kap gade et kap tande nou la yo. Nous tout à fait guérison. OK. Nous tout à fait guérison. Les que n'a posé question, les que n'a dit eh bien nous guérison. Les que n'a dit OK les que n'a dit que pays ça OK les que n'a dit pays ça est-ce que gain changement pour lui nous gain raison ah oui nous gain raison les n'a dit est-ce que pays ça gain changement pour lui. Moi d'accord avec nous. Moi rejoins nous. Les n'a dit ça yo. Moi d'accord avec nous. Moi rejoins nous. Les n'a dit ça yo. Mais je dis à fond comprendre tout. Je dis à fond garder et fond questionner pour nous dire hey. Est-ce que vraiment réalité que Haïti a vive là et ça que pays a connait là est-ce que gain moyen pour nous sortir la donne? Ah oui. Moi m'a dit oui parce que gain des pays qui t'a qui te vive plus mal que ça. Yeah. Gain pays te vive de moments plus difficiles. Yeah. Gain pays te vive moment plus difficile que Haïti a connait là et yo finalement sorti la donne et ça pas prend 2-3 ça pas prend 2-3 4 l'année ça te prend des années et l'aime dit des années ça veut dire que ça te prend 10 ans gè prend presque 20 ans pour yo sorti dans situation que yo t'a connait ou t'a vivre là m'pa pas faire comme si m'pa pas prêcher nous la résilience non m'pa fait ça. M'a prêcher nous la résilience, non m'a fait. M'a fait. Mais ça que me connaît, moi connaît en clair que ça paye à connaît là, ça paye à vivre là. Je dis hein. Yeah. Ça que n'a vivre là, ça que n'a connaît là. Pays en besoin plus que ça. Pays a pas mérité ça. Pays a pas mérité ça. Non. Pays a pas mérité ça. Nous pas mérité ça du tout. Et je dis à Mlekin qu'on comprend ça. Je dis à mes que ça comprenne ça très bien. Et quel que soit secteur courrier, quel que soit groupe courrier, comprenne que pays a pas mérité ça. Nous pas mérité ça. Non. OK.
Yeah. OK. OK. Et je dis à pays à pas m'aider ça. OK. Nous pas mériter ça. Et je dis, il faut comprendre la réalité. Je dis, il faut comprendre ça que nous vivons dans le pays. Je dis. Yeah. Et si le pays arrive dans le niveau ça, si nous arrivons dans le niveau ça, qu'on est que c'est d'abord pendant n'a d'accord que pour nous rendre responsable communauté internationale en l'Occident impérialiste yo impérialiste yo. Mais en même temps tout, faut nous dire que classe politique noire, oligarque corrompuant, faut nous dire merci. Faut une société civile haïtienne non merci tout. Mettez avec le secteur droits humains, l'église et université et intellectuelle et diaspora, faut nous dire merci. Fondu merci. Parce que yo tout contribué nan mete Haïti nan salier là. M'a pas retiré youn pour me quitter l'autre là. Non. M'a pas retiré youn pour me quitter l'autre là. Non. M'a pas retiré youn pour me quitter l'autre là. Non, on va faire ça. Et j'aime ta dire nous tous coupables. Yeah. J'aime ta dire nous tous coupables. Nous tous coupables. Nous tous responsables. De situation Haïti qu'on est là. OK. OK. Nous tous coupables, nous tous responsables. Je dis hein, la presse pas innocent. C'était presque ça que me l'a donné pas innocent. Yeah. Pas innocent. Et me l'a compris ça. Yeah. Pas innocent. Ça peut y avoir là. Et je veux dire que chaque grain dans nous comprend nécessité qui gagne pour que problème ça le résoudre. Oui, mais que chaque grain dans nous comprend ça gagne là comme situation hein? Comment pour nous goumer pour nous résoudre. Comment pour nous engager nous la donne? Comment pour nous goûter pour nous résoudre li? OK? Mm-hmm.
OK. OK. Je dis, hein, je veux que vous compreniez. Je veux que nous gardions, questionnions et analysions. Yeah. Gardions, questionnions et analysions ensemble pour nous. Comment pour nous retirer? Comment pour nous sortir du pays dans ça? Yeah. Comment pour nous retirer? Pour nous sortir Haïti dans ça là? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais quand même. Devine que volonté, hein? Yeah, pas facile. Devine que volonté, hein? Gain espoir quand même. Ouais. Gain espoir quand même, un jour. Non, sorti la donne. Yeah. Gain espoir quand même, un jour. N'a pas sorti la donne. Une douille sorti la donne. Une douille sorti la donne. Qui donc, semble que chaque monde comprenne que si nous gonflons les veines ensemble, ok? Si nous gonflons les veines ensemble, si nous collons les épaules, si nous faisons coude à coude là, ok? Si nous collons les épaules, si nous faisons coude à coude là, papa nous menti, n'a pas retiré Haïti dans ça là, ok? Si nous collons les épaules, si nous faisons coude à coude là, papa nous menti, n'a pas retiré Haïti dans ça là. Et nous devons retirer Haïti dans sa lèvre. Vous comprenez? Mais si nous tout a fait critique là, yeah. Si nous tout nous chita seulement sur critiquer, bon, nous seulement à croiser bras nous, à observer, à regarder, ok? Critiquer, croiser bras nous, pas faire rien, pas dire rien, nous seulement à plaindre. La plein la mandé est-ce que ça qui la autorité, est-ce ça qui la chef, mais nous-mêmes tout comme haïtiens, nous-mêmes comme population qui a victime qui a subi, est-ce que nous décidé d'engager nous, est-ce que nous décidé de frapper pied nous à terre, yeah. Est-ce que nous décidé d'engager nous? Est-ce qu'il a décidé de croiser bras nous pour ne pas dire rien, pour ne pas faire rien? Dis-moi. Ok?